nous parle de la foi et je voulais vraiment vous dire à quel point c'est important de toujours garder la foi dans le Seigneur, toujours dans les bons comme dans les mauvais moments. Parce que des fois, il y a des longues périodes où on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais je veux vraiment vous encourager, toujours lui faire confiance. Après, au bout d'un moment, on commence à comprendre pourquoi tout ce temps, pourquoi on est passé par là. Mais le Seigneur est fidèle, il est toujours là et ça a toujours un sens. Tout ce qui nous fait passer, ça a toujours un sens. Déjà aujourd'hui, je suis ici, à l'île Maurice, suite au Seigneur qui a conduit vraiment toutes choses. Et je le bénis parce que je rencontre mon frère, ma sœur, et on passe vraiment des bons moments avec lui. C'est la famille de Dieu. Merci Seigneur. Si tu avais la foi comme un petit grain de sénévé, ainsi parle le Seigneur. Si tu avais la foi comme un petit grain de sénévé, parle le Seigneur, tu irais dire à la montagne, déplace-toi, déplace-toi, tu irais dire à la montagne, déplace-toi, déplace-toi, et la montagne se déplacerait, se déplacerait, se déplacerait. Et la montagne se déplacerait, se déplacerait, se déplacerait. Écoute, écoute son Esprit Saint. Écoute, écoute son Esprit Saint.